temps, on est attentif à la propreté des plages. Après avoir été préparées en amont par les agents du service environnement, propreté et circulation de la ville, elles sont nettoyées tous les jours jusqu'au 15 septembre dès 6h du matin, avec notamment une cribleuse qui permet d'enlever les macro-déchets, de brasser le sable et de le désinfecter sous l'effet des UV. C'est une machine qui permet d'aérer le sable et en même temps de ramasser tout ce que les gens peuvent laisser traîner sur les plages, c'est-à-dire papier et souvent les restes des restaurants et des repas des plagistes. Pour le nettoyage des plages de galets de la baie ouest, les agents procèdent à un régalage. Sous l'effet de la mer en fait, qui pousse, ça fait une dune et on a des difficultés à se mettre à la mer ou à ressortir. Donc avec un bulle, on fait un régalage, c'est-à-dire qu'on aplanit ces dunes-là et on rend l'accès à la plage plus facile. On fait ça tout l'été. En général, les engins le font, faut compter deux, trois jours par semaine de chaque côté. Durant tout l'été, le service du SVEP bénéficie du renfort de 4 saisonniers chargés de ramasser la centaine de poubelles disposées sur l'ensemble des plages, ensuite récupérées par les bennes à ordures. Toutes ces opérations sont mises en place par la ville pour accueillir au mieux les vacanciers et résidents mentonnais. Afin de répondre toujours mieux à vos attentes, une enquête de satisfaction est en cours d'étude pour la deuxième année consécutive. Ce questionnaire est à votre disposition en mairie, à l'office de tourisme, à la bibliothèque à la plage et sur le site de la ville. À Menton, votre avis compte et ça se voit.